Ok, on se réveille. La dernière fois, donc, on avait combattu pas mal de loups gris. Ça s'est pas super bien passé. Peut-être qu'on va attendre un peu. C'était pas méga bien passé. Par contre, on n'a pas de nourriture. Parce que... On va dire qu'on avait mal joué. Honnêtement, mon gameplay était un peu... comment dire... médiocre, on va dire ça, médiocre. On s'est fait toucher énormément de fois. Là, on va passer un peu de temps, le temps que ça s'arrange. On s'est fait toucher pas mal de fois. On a perdu des flèches, je crois qu'on a perdu au moins 2 flèches. Et nos vêtements sont mal en point. On va dire qu'il y en a qui sont dans le rouge. Enfin, pas dans le rouge, dans l'orange, genre à 40%. Il fait froid. C'était pas top. C'est pas vraiment top, honnêtement. Donc on va essayer de rectifier un peu ça. On va essayer de rectifier un peu ça. Ce que je voudrais faire, c'est peut-être... Ah, là-bas, il y a des... Là-bas, il y a des branches à récupérer. Ce que je voudrais faire, à la limite... Est-ce qu'on a du bois ? Ouais, il faudrait que le vent s'arrête. En fait, il faudrait qu'il fasse... Ouais, donc le vent s'arrête. Et ce qu'on pourrait faire, c'est faire un feu à côté d'un des loups qu'on a tué. Et récupérer sa viande. Ça serait déjà une bonne chose. Parce que, ouais, on n'a pas de réserve. Après, il y a le cerf là qui est juste là. Mais il y a 1,1 kg, je crois. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Donc, je préfère aller faire un loup. Mais ouais, des fois, c'est... J'ai envie de dire... Peut-être que j'aurais pu mieux gérer, y aller plus doucement et tout ça. Oui, oui, honnêtement, oui, on aurait pu toujours mieux faire. C'est pas vraiment ça l'important. Si on est... Enfin, voilà, si on est lent et tout ça, des fois c'est un peu fatigant au bout d'un moment. Vous savez, ça tourne un peu en rond, etc. On a le matériel, on a l'expérience, il n'y a pas de problème. On a les vêtements un peu abîmés, mais on fera avec. Et puis basta, hein. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas grave. Il y a pire, on pourrait être mort. On pourrait être mort. Non, tu vas pas vouloir. Peut-être lire encore une fois pour qu'il fasse jour. Excusez-moi, un peu mal à gorge. Très bien. Non, il fait chaud. Ok. Par contre, moi, c'est le vent qui m'embête. C'est quoi que j'entends? On dirait une chute d'eau. Oh, par contre, on peut faire du feu avec, avec une loupe. Il y a encore du vent. Ouais, on va devoir y aller, là. Alors, là, il y a les bois récupérés. Alors, par contre, s'il fait autant de vent et que ça s'arrête pas, genre maintenant, on va avoir un problème. Parce que les loups, en fait, sont mal positionnés. Il y a lui, là. Et après, il y en a un là-bas. On va récupérer les bois pour le moment parce que bah, y a du vent, on peut pas faire de feu. Je voudrais faire du feu juste à côté, moi. C'est embêtant, ça. Très bien. Continuer, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Oh, là-bas, c'est quoi ça? C'est un cadavre, ça. On va y aller. Ça, c'est un... Si ça serait un cerf, ce serait beaucoup plus gros. Je crois que c'est un loup, ça. On va y aller.
C'est possible que ça soit un loup. Parce que ici, genre sur la glace, on n'a pas combattu. C'est possible que ça soit un loup qui soit mort de flèche, d'hémorragie. On va voir. C'est important ça. Toujours faire attention comme ça aux petits détails. Toujours. Ouais, ouais, c'est un loup, c'est un loup, c'est un loup. C'est bon signe. Par contre, si on arrive à se protéger, là... Ah non, le vent, il souffle là. On va voir. Peut-être qu'on peut faire du feu à côté. Peut-être qu'on peut faire du feu à côté. Là, 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 là. Ah. Ok. Bien, bien, bien. Non, on peut pas faire du feu à côté. C'est embêtant là. On a encore des thés, hein, c'est pas grave. Oh là 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 là. C'est pas une grotte ça. Ah, laisse-moi monter. Putain, j'en ai marre. J'ai l'impression de tourner en rond pour rien là. Je regarde s'il n'y a pas une grotte, une nouvelle grotte qu'on ne connaîtrait pas. Dis-moi qu'on peut passer. Excusez-moi. Ça va, c'est pas trop froid. Puis après, je sais pas vraiment où est la grotte en fait. La grotte pour partir. Oh, là-bas, je crois. Il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent. Faire attention, je regarde la jauge là. Il faut faire absolument attention. Ok, très bien. On va peut-être pas courir. Pas grave, si on a un peu froid, on reprendra de la vie en dormant. Ok, j'ai trouvé la grotte, je crois qu'elle était là ou là, je sais plus, je crois là. Je crois que c'est la grotte pour partir. Ok, il y a les corbeaux là. Je pense que c'est la grotte pour changer de zone, pour aller à Muskegmorn. Et après à Muskegmorn, comme j'ai dit, on ira récupérer du métal, etc, etc. Ah, mais d'abord il nous faut des steaks. Il nous faut absolument des steaks. Je sais pas s'il y a assez de lumière pour la loupe. Yes. Qu'on fasse attention à notre nourriture là. Il va falloir qu'on coupe. Okay. Perfect. Un truc un chaud. Okay, attendez. On va faire ça. Raichi, on en a plein, ça va. Couteau. C'est pas assez chaud. Non, c'est bon. Attends, ça va pas plus vite avec ça. 47 minutes. 39 minutes. Ok, très bien. Yes, sauvé.
Enfin, sauver, c'est surtout sauver le buff, ouais. C'est pas, on serait pas mort, hein, mais c'est surtout sauver le buff, en fait. Ne pas perdre le buff. On va faire ça. Très bien. On va prendre peut-être des boyaux, je sais pas trop. On a encore 15 minutes. Ouais, non, on peut rien réparer, hein, vraiment. On peut rien réparer. 33 minutes. Ouais, là, on a un peu plus de chaleur, donc je pense que le temps s'améliore. Je pense que le temps s'améliore. On va tout manger. Enfin, je disais, on prend des boyaux, c'est juste pour passer le temps, mais en fait, peut-être pas. Ah non, t'es sans déconner. Aïe, 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 aïe. Réchauffement, 6 minutes. Ah, c'est bon, il est prêt. Ouais, on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Vent qui se relève comme ça. Où est-ce qu'on va aller? J'ai envie d'aller visiter là-bas, parce qu'on n'a pas visité là-bas. Est-ce qu'on a trouvé la grotte? Ou alors on part maintenant, je sais pas. On a déjà récupéré une flèche, c'est déjà bien. On a le fait-tout et tout ça. Alors peut-être qu'on fait la grotte directement. Ah mon dieu! Ah, c'est chiant ça, des fois. Ouais, je voudrais voir. Parce que là-bas, il y a les. Vous savez, des forêts comme ça avec des bois là. Ah, peut-être qu'on peut trouver des écorces. Ça, ça serait bien. Parce que les écorces, c'est vrai que c'est. Oh la vache. Les écorces, c'est un peu. On va pas pouvoir passer. Hein. Les écorces, c'est assez rare. Donc, je voudrais voir si on peut pas les en prendre. Et après, on va longer le bord comme ça. Et on va aller à la grotte. Par contre, on va devoir un peu se bouger les fesses. Parce que c'est vrai qu'il fait froid. Pour l'instant, il n'y a pas de l'eau. Il y a du vent, c'est relou. Une cabane de chasseurs, ok, on va y aller. Ouais, après, c'est une petite forêt. Des massettes. Ok, pour l'instant, ça va, notre buff de feu, là. Enfin, ça veut rien dire. Notre buff de feu, oui, on est dans un RPG. Nous sommes un magicien, nous avons un buff de feu. Ah non, c'est le buff de réchauffement. Là. Merde, j'entends des bruits. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est un élan! Yes! Enfin non, en fait, on s'en fout. Est-ce qu'on dessine? Non, honnêtement, non. Froid. On a trouvé un élan, c'est pas intéressant pour nous. C'est la cape de l'élan, comme on avait dit, hein, c'est pas utile. Par exemple, ah bah tiens, une différence. C'est la cape de l'élan, on avait vu que c'était beaucoup plus résistant. Que... Ah bah parfait. Que tous les autres vêtements.
Donc par exemple, on aurait pris moins de dégâts avec la cape de l'élan, si je dis pas de conneries. On aurait pris moins de dégâts, peut-être moins de dégâts aussi sur les vêtements. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut ? De l'en dire une route en fait. Apparemment on a froid. C'est embêtant ça. Si on retournait dans la grotte, on n'est pas très 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 loin de la grotte. Vous savez la première grotte qu'on a fait ? Là on dirait une route en fait. Ouais non, peut-être qu'on aurait pris moins de dégâts, moins de choses, moins de problèmes avec le câble d'élan. Strictement rien, c'est cool. Moins bof. Pas méga fan. On va continuer de ce côté, on va aller à la grotte. L'autre grotte pour changer de zone. Parce que là, je pense que niveau... je sais pas si ce point-là, c'est pas encore une écorce à prendre. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'au niveau distance, on est entre les deux, en fait. Donc autant aller à l'endroit où on doit partir. On va prendre du bois, au cas où. Parce que de toute façon, on n'a qu'un seul steak qui a été cuit. Enfin, dans l'inventaire, il nous reste plus qu'un seul steak cuit. On a deux autres à cuire. Donc... il faut du bois si on veut cuire les autres. Tiens, je viens juste de penser, il nous faudrait un marteau aussi pour la forge. Ah, mais je crois que le marteau, on l'avait laissé. Hein. Parce que j'avais dit que le marteau, ça servait à rien, en fait, en dehors de la forge. Donc à Muskeg Morn, en théorie, il devrait avoir un marteau. Je suis quasiment sûr qu'il y a le marteau. Par contre, je pense qu'il y a encore quelques charbons. Donc ça, c'est bien pour augmenter la chaleur. Et après, il faudra le maintenir avec le bois. Mais il nous faut du métal, il faut beaucoup de métal. Enfin, au moins il faut ressortir avec une vingtaine de têtes de flèches quand même. Hein, faut pas y aller pour toutes deux trois têtes de flèches. Il en faut au moins une vingtaine. Qu'on soit tranquille quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit au moins tranquille. Minimum. Un minimum une vingtaine. Alors attendez, avant qu'on parte, on a tout, hein. On a ça, on a récupéré ça, c'est bien. On a un peu de bois, on a le livre, on n'a rien oublié, on a des flèches, on a pas mal de fusées nautiques, ce qui est bien. Ouais, y a juste les vêtements qui sont un peu mal en point. Ça, les refaire, ça, le faire, ça, refaire. Les trucs en ours, ça va, ils ont bien tenu le choc. Ouais, on est bon. Bon, nourriture, bah en fait, on n'avait rien, d'accord. J'ai pris deux massettes au cas où. Voilà, on a ça à cuire. Non, ça va, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On avance. Alors, moi honnêtement, je vois un peu. Je sais pas si vous voyez. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas que vous voyez quelque chose. Moi, j'arrive un peu à distinguer. Donc, je vais le faire sans torche parce qu'on a déjà fait cette grotte. Un peu fatigué. Par là, j'imagine. Il y a un peu de lumière de temps en temps, donc on va le faire sans torche. Mais comme d'habitude, la plupart du temps, si c'est un nouvel endroit, j'allume une torche. Mais vous me direz si vous voyez quelque chose dans la grotte.
Je crois que c'est à gauche. Est-ce qu'il y a du charbon? Là j'ai vu un caillou, c'est un charbon ça? Non. Ça aussi ça aurait été pas mal de trouver du charbon en fait. Ah oui, c'est avec ça. Il y a un lit aussi, on pourrait dormir ici. Excusez-moi. Oh, ma gorge en ce moment, je sais pas pourquoi. Je suis en train de regarder s'il fait bien toute nuit. On va faire ça pour un peu équilibrer. Ok. Dormir 2 heures, pas plus, que sinon après ça sera complètement noir, on verra rien. Je voudrais faire ma nuit en fait à la forge, quoique je suis pas complètement sûr. Parce qu'à la forge on va avoir froid, non? Je suis en train de me dire, est-ce que là on va à la forge de Muskegmorn direct ou alors on rentre au... Parce que moi je veux bien faire aventure, mais est-ce que ça va pas être trop dangereux? Est-ce que ça va pas être trop dangereux? Parce que le côté froid c'est un peu chiant. Avec nos vêtements abîmés là. Sur la fin. Ouais, ça doit être la sortie là-bas. Il va falloir choisir. Ou on va à droite ou on va à gauche. Si on va à gauche, c'est pour faire la forge. Si on va à droite, c'est pour rentrer au lac mystère. Bon, c'est bien. On a quand même pas mal dessiné. Hein. C'est pas mal. Parce que là, nous, on va être là. On va sortir là, en fait. Donc la forge, elle est là, à gauche. Et après, si on prend les rails, on rentre au lac mystère, on rentre chez nous. J'ai envie de dire, j'ai envie de rentrer pour réparer les vêtements, parce que j'ai peur qu'ils cassent en fait. Et recrafter les vêtements, ça va être relou, ça va prendre énormément de temps. On va rentrer, ok? Parce qu'on est lourd en plus, on est très lourd. On a beaucoup de choses sur nous, hein, toutes les fûts de flèches et tout ça. Ça aussi, je voudrais les poser. Les flares, parce que c'est 25 à chaque fois. On va rentrer, ok? Désolé, je voulais faire aventure en enchaîne, mais en fait, c'est le poids. Ça devient un peu relou, en fait, avec le poids. Alors attendez, on va peut-être dessiner par... Oh putain, t'es sérieux? Ah, très bien. Alors... Quoi? Ah non! Il y a le brouillard qui se lève juste maintenant, quoi, mais sans déconner. Sans déconner. Ah ouais, en plus il se lève sévère là. Bon, c'est pas très compliqué, il faut trouver les rails. Normalement on fait ligne droite, on trouve les rails. On va peut-être un peu sur le côté droit. Il fait pas extrêmement froid, donc profitons. On va voir. Il y en a beaucoup de loups. Il y en a beaucoup.
Là, on va pas pouvoir passer. Je sens que je vais devoir le tuer. On va pas du tout où je veux aller, c'est bien. Il n'y a pas de chemin pour traverser là, c'est relou. Je crois que c'était un charbon. Attendez. Merde. Oh, on est bloqué. On est bloqué. Il y a aussi un truc que je viens juste de penser, il faut quand même combattre quand on a chaud encore. Je viens juste d'y penser maintenant. Parce que si on le fait quand on a froid, elle va trembler à mort. Ça va être une galère. Ouais, ouais, ouais. Bon, par contre, on va peut-être se réchauffer. J'ai entendu un élan. Un élan là. Je crois que c'est l'élan, vous vous rappelez, on l'a combattu celui-là. Et là, il y en a un nouveau. On va aller se réchauffer dans la grotte. Alors la grotte, elle était là ou là? Je dirais là. Sinon on serait tombé sur l'élan. Non? Oui, elle est là, elle est là. Je me rappelle, parce que là il y a une bifurcation. On va aller se réchauffer. Parce que cibler comme ça, c'est un peu relou quand même. Donc oui, il faut aussi penser à ça. Genre combattre quand il fait pas froid. Quand vous avez pas froid. Regardez, c'est du charbon, ça. J'essaye de pas trop m'avancer. Ah, merde. Ah, ça, c'est débile d'avoir mis comme ça du charbon sur la zone. Ah, c'est complètement con. Mais c'est complètement teubé. Dis-moi. Dis-moi, Jamy, c'est con. Non, mais sérieux, là. Enfin... On peut pas vraiment passer le temps. Petite heure. On est fatigué. Très bien. On va voir un peu comment ça se passe. Je voudrais plus avoir ce brouillard en fait. Il fait pas très froid. Alors, je vais voir si on peut pas récupérer un peu plus de charbon.
genre là. C'est quoi le plus proche? Gauche ou droite? Droite. Merde. On ressort. qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu à côté du loup. Pour de la nourriture. Ou on se part. Bon, c'est bon, il n'y a plus le brouillard, on se casse. Ah, par contre, faut faire attention parce qu'il y avait du loup. On a déjà tué deux. Il y en a un là. Deux. Un là et un là. Là, il y a un cerf, très bien. Champignons à récolter. Ouais, on peut rentrer tranquillement. Très bien. On fait le chemin avec notre cerf. Non, 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 la maison elle est pas de ce côté. Non, c'est pas grave, bon, bah d'accord, au revoir. Aïe, 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 aïe. Quoi, waf? Il a eu peur de nous. C'est lui qui a aboyé? Je sais pas. On va un peu sprinter. On est bon, on est bon, on est bon. J'ai pas envie qu'il me rattrape en fait. Passe pas la dune, passe pas la dune. Non, c'est bon. Là, il y a le cadavre. Bon, on rentre à la maison. Moi, je pense que je ferai une petite ellipse, c'est-à-dire qu'on va faire une petite pause. Je poserai tout ce qu'il faut à la maison, tranquille. Je réparerai tous les vêtements, je passerai peut-être plusieurs jours, j'aurai chassé des cerfs et des lapins si nécessaire. À la limite, peut-être essayer de trouver un ours au lac Mystère, dans la zone, pour pouvoir remettre une peau en séchage, parce que c'est vrai que les peaux des ours et tout ça, ça met énormément de temps. Donc à la limite, pourquoi pas. On a très peu de vie, je voudrais bien aussi récupérer ma vie. C'est vrai que... C'est vrai que sur la fin, c'était assez hardcore, en fait, cet la crique lugubre. C'est assez loin, quand même. C'est loin, c'est loin. Passe par où, là ou là? Bon, on va devoir passer par là. Il est joli, comme ça. Ouais, voilà, on va devoir un peu se bouger les fesses, que je crois qu'on va... le temps qu'on arrive, c'est possible qu'on soit dans le rouge. C'est possible qu'on soit dans le rouge.
Donc on va devoir se bouger les fesses. On voit la ligne téléphonique là, enfin la ligne électrique. Donc on est proche. Bon, bah, au final, c'était pas mal, hein, notre petite aventure. On a découvert pas mal de choses. Je me demande si j'ai pas oublié des choses, là-bas, à la crique lugubre. Je pense pas, hein. Je pense pas. Je sais qu'on a laissé des choses exprès, mais je crois pas qu'on ait, genre, oublié quelques trucs. Je crois qu'on avait... Bon, on va pas regarder l'inventaire, maintenant. Enfin, si on pouvait avancer et regarder l'inventaire, putain, ça serait vraiment bien. Je crois qu'on a eu des pierres à aiguiser et tout ça, non? Je m'en rappelle plus trop. Je sais qu'on a eu des kits de couture. Ça, on en a plein déjà à la maison. C'est pas vraiment utile, honnêtement. On va les utiliser. On va commencer à les utiliser plus souvent. Mais... je crois qu'on a eu une pierre à aiguiser. Bon, maintenant, on a l'endroit pour réparer les outils. Donc à la limite, on n'a plus besoin d'en crafter, on n'a plus besoin de prier pour trouver des pierres à aiguiser. Si jamais on a vraiment besoin. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est genre un autre set d'outils, donc une hache et un couteau. Comme ça, ça en ferait 3 de chaque. Et on les utilise, en fait, chacun l'un après l'autre. Et une fois qu'ils sont tous très bas, en fait, et ben on va les réparer. Tout simplement. On va tout simplement les réparer. Ça vous rappelle rien là, genre repartir au lac mystère, genre super fatigué, dans le froid, bas en vie. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça plusieurs fois. Oh la vache. Putain, j'espère qu'il n'y aura rien sur le chemin. Parce que là, c'est vrai que... Ouais, on a bien fait de pas aller... de pas aller à la zone. Enfin non, on se serait arrêté de toute façon à la forge et tout, on aurait dormi, ça aurait été mieux. Mais bon. Le charbon, il faudrait que je le reprenne sur moi. On pourrait le déposer là, mais c'est pas grave, on va le garder sur moi. On verra. C'est pas très grave. Mais voilà, ouais. Non, le coup du... Ça nous fait une bonne aventure. Puis comme j'ai dit, ouais, c'est cool maintenant de savoir où aller réparer nos vêtements et tout. Nos outils, pardon. On peut même réparer les scies. On n'a pas besoin des... comment ça s'appelle? Des caisses à outils. Ça, c'est vraiment bien. Quoi? Derrière moi? Ah ouais, il devait être juste sur le côté, en fait. On a un steak si besoin. Putain, on va tanguer, je pense. Je vais jeter un appât. Ouais, on va tanguer. Si jamais c'est trop la merde, je me pique à la seringue. Je pense qu'on va aller se piquer. Ça, c'est parce qu'on est trop bas en vie, en fait. On va se piquer. On a stamina infinie.
On récupère de la vie. Ouais, non, non, ce serait pas... On n'aurait pas réussi. On n'aurait pas réussi. On serait mort. Je... Quasi... 90% sûr qu'on serait mort. On va regarder si on a de la nourriture. Qui traîne devant. On n'a pas de nourriture faite en fait. Ok, on va manger, boire et dormir. Ouais, voilà. On va monter. Avant qu'elle s'évanouisse. Et ce sera la fin de notre épisode où on a failli crever. On a failli crever. C'est dangereux, hein. Dangereux, hein. Faut que je cuise toute la viande qui est dehors aussi. Ouais. Ce sera la fin de notre épisode où on a failli crever sur la fin. C'est pour ça, hein, le shot d'adrénaline, gardez-le, hein, gardez-le. Ça vous sauve la vie, hein, ça vous remet de la vie. Et ça vous donne endurance infinie pendant un petit moment, pendant une minute je crois. Donc parfait, vraiment parfait ça, le stimulant d'urgence. Toujours en avoir au moins deux, parce que vous pouvez les enchaîner aussi. Parce qu'après vous êtes extrêmement fatigué. Donc du coup vous tombez dans les pommes. Mais vous pouvez en fait en enchaîner, donc si vous en avez une dizaine, bah vous pouvez en enchaîner 10 d'affilée. En tout cas ça sera la fin de notre épisode, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, moi je vais faire une petite pause pour... réparer les vêtements et tout ça, puis après on repartira pour la forge et créer des têtes de flèches. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, passez un très très bon week-end. Merci à tous. Ciao, ciao.